Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psycho One TV. Moi, c'est Michel Fils Auguste, psychologue clinique et spécialiste dans politique, gestion, gouvernement. Je dis à n'a parlé sur un thème qui a fait actualité dans la société haïtienne, surtout. C'est sur qui le mandat président Jovenel Moïse l'a fini. En pile gros débat a fait pour nous connaître qui le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir ou bien a fait élection pour nous yon l'autre président pour aider nous prendre charge pays ça en main tout bon vrai. Mais avant toute bagaille, faut qu'on connaît qui le mandat yon président ou bien mandat yon élu commencé. Eh bien, mandat a commencé d'après constitution, hein, là il y a prêté serment. Ça veut dire, si vous avez un mandat pour 5 années, il commence depuis le jour où vous prêtez serment. Mais des fois, diversion et marchandage politique, partisanerie des fois, fait nous pas mettre bon sens nous en avant pour nous comprendre en plein problème non. Et bay population a meilleure réponse. Parce que nous toujours comprendre si peuple li gen connaissance, gen paquet bagay nous pas ka faire le faire encore et gen paquet moun surtout dans société haïtienne là n'a suspend tande yo. Yo plutôt fait diversion ban nous faux parole pour kembe nous dans même statu quo. An gade ensemble. Sans pas oublier, c'est après une grosse crise électorale qui a paralysé la vie politique du pays, après départ président Michel Martelly, Jocelyne Privet est arrivé comme président provisoire pour te faire élection qui te ban nou Jovenel Moïse comme président élu en novembre 2016. Mais pour même raison politique droite et gauche, nous tout connaissons déjà, Jovenel Moïse te prêté serment mardi 7 février 2017. D'après la loi, si mandat président li commence jour prêté serment, ça veut dire là ou ka comprendre à clair, n'a commencé contrôler mandat président Jovenel Moïse là depuis 7 février 2017. Est-ce que c'est parce que m'partisan Jovenel Moïse ou pas qui fait me dire ça? Non. Mais c'est ça la loi dit, nous devons appliquer. Est-ce que le président Jovenel Moïse a dû rester sous pouvoir? Pour moi, c'est toujours non. Parce que nous ne pouvons pas être impossible de régler sous gouvernement Jovenel Moïse là, qui est capable d'aider nous mettre le pays à son rail développement tout bon vrai. Mais ça, c'est opinion personnelle. Moi. La loi a un gens qui ont des choses. Mais qui ça la loi électorale de 2015 l'an dit dans l'article 37 là. Le président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votes valides 50% plus 1. La durée du mandat du président est de 5 ans. Ça veut dire pour un pile monde qui pense président Jovenel Moïse t'a supposé quitter pouvoir 7 février 2021, en pile nan nou, nou feyre. Et, en pile nan moun tou, kap goumen, pou président rete jusqu'à 7 février 2022, nou toujou fon lot ere toujou. Parce que, problème haïtien yo pa jam rezoud, problème électricité pa rezoud, problème fatra nan peyi a pa rezoud, problème santé, problème éducation. Nou bezwen ou moun ki ka ede nou, mette pays à sou rail développement tout bon vrai. Mais sans nous pas oublier ou nous obliger à apprendre respecter la loi si tout laisser nous-mêmes qui écrit encore. En nous à chapitre 16 article 239 loi électorale 2015 l'a continué pour le dire. Afin d'harmoniser les temps constitutionnels et les temps électoraux à l'occasion des élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison,
que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante. Mais là, il n'y a pas les pour tout le monde qui est lié, mais nous-mêmes, nous apprenons seulement petit A qui c'est pour président. Le mandat du président de la République prend fin obligatoirement le 7 février de la 5e année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction. Ça veut dire, le président Pagin doit prendre un jour en plus, ni un jour en moins, sous 5 années li gen pour le passer sous pouvoir. Ça veut ou même, auditeur, ou bien ou même, kap gade vidéo, ça doit comprendre. Nous pas gen rien n'a réglé vrai avec gouvernement qui l'a, mais faut nous clair, nous doit apprendre respecter la loi, parce que les on bagay pas en faveur nous, nous plein, mais les en faveur nous, nous pas dit rien du tout. Ça fait peuple à continuer à passer misère dans la boue, dans fatra, li pas ka manger bandi a fin touyel. C'est bon moment pour nous commencer montrer peuple là que nous en faveur vrai les nous apprendre ni connaît la loi tout bon.